Allô? Yeah? Yeah? You have a packet? Ok. Oh, fucker. Ok, guys, just I need to recuperate a packet. My friend, where are you? I need you. I have the packet for you. Where are you, my friend? You need to come in. You need to come in. Brother! Brother! Come, come! Hello, my friend. I have the packet. I have the packet. You have the packet, my brother? Give me the packet, brother. Oh, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, brothers. Get out, good man. Luck. Get good out. Luck. Thank you, man. See you. Les gars, j'ai récupéré le paquet, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Je vois juste qu'il y a écrit Call of Duty FR et PlayStation FR. Est-ce que ce serait les nouveaux équipements pour Modern Warfare 2 qui vient de sortir? On va voir ça tout de suite. Ce paquet. Oh shit, man. Ok les gars, vous avez vu ce colis de ouf qu'on a reçu? C'est tout simplement parce que le 27 octobre, je serai sur la chaîne de Gotaga à 20h. Du coup, t'as Call of Duty FR et PlayStation FR qui nous ont envoyé ce colis de dingue. Et on va l'open de plus près ensemble. J'espère que ça va vous faire kiffer. Déjà, on commence par une manette avec un bête de camo. Et entre celle de Sky et celle-ci, je commence à avoir des jolies manettes en vrai. Je suis pas trop... Vous savez que je suis pas très très bon à la manette, mais je suis content d'avoir des jolies. Oh là là, ça c'est le genre d'objet qui me fait kiffer de ouf. Regardez ça. Frérot, chaud à chien, task force. Tu penses que ça passe? Ouais. Sinon, je me la joue comme as, tu vois, en mode nouveau style. J'ai vu que les jours, t'as ça. Non, en vrai, je suis grave content. Ça va aller dans le décor direct. Mec, c'est quoi ça? Le collier. What? Frère, c'est... Viens voir, c'est une lumière bleue. Tu vois ou pas? Ah ouais. Ah ouais, c'est pas des traces de... Non. Gotaga ou quelqu'un d'autre aurait laissé des traces là-dessus. Des traces qu'on pouvait voir avec de la lumière bleue, frérot. Viens, on découpe ça ensemble, chacal. Mec, il y a une clé USB. Mais vraiment une clé USB, tu vois. Mec, c'est un dossier en fait. C'est un dossier où on a des agents. C'est ta mission. C'est ma mission, tu crois? Ouais. Mais il y a tout qui a été barré. Je pense que, ouais, parce que c'est confidentiel. Ou peut-être que j'étais capable de remplir aucune des tâches. Topographic, zone OPS, Delta. L'armée la plus... L'armée la plus redoutable, c'est l'équipe. C'est ce qu'il y a écrit. Mais après, tout dépend de quelle équipe. Si tu joues avec des mecs qui valent pas un péco, ben l'équipe ça sert à rien. Il vaut mieux jouer tout seul. Bah, ça me rappelle la fois où je jouais avec Norby. Sombre histoire, je préfère arrêter d'en parler. Par contre, il y a vraiment une clé USB qu'il faudra qu'on ouvre à la maison, gros. Après avoir brute force le mot de passe grâce à mes connaissances en codage JavaScript intra-auriculaire, j'ai réussi à pénétrer de force dans la clé USB. Le premier fichier texte est un résumé du scénario de Modern Warfare 2, destiné à la presse je pense, vu que je suis pas journaliste on passe à autre chose. J'ai ouvert le deuxième fichier RTF grâce à mon WordPad 2011 que j'ai piraté depuis mon lycée à Palavas-les-Flots. Et là, quelle surprise quand je vois cette liste de pseudos, cette soirée risque d'être très agitée, surtout quand j'ai vu Cyril Gann dans la liste, Chauin a intérêt à venir avec une équipe de sécurité comme Vlad. À présent, on se retrouve avec une jaquette du jeu sur la plateforme PlayStation 5. Je continue mon enquête et je tombe sur un fichier MP4. Shoulder, cut right,
clear through. Je termine cette enquête avec le dernier dossier comprenant une série de screenshots du nouveau Call of Duty. Il y avait aussi un fichier texte que je vais vous montrer. À la base du simple code HTML, mais regardez la phrase que j'ai réussi à trouver. Abonne-toi ou une petite fille va venir cette nuit te planter avec un cutter au champ. Et du coup là les gars, comme vous avez pu le voir, on a une coque de PlayStation 5. Bon Kevlar ! Bon Kevlar mon copain ! Là ils peuvent tirer ! Ça, tu peux m'avoir juste au cou, gros. On va voir un peu le style qu'il a. Hein. Ah ouais. Vous savez pourquoi je suis 64? Le meilleur département français, tout simplement. C'est Pau. Du coup, mais je vous propose tout simplement de le voir sur moi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo un peu originale opening vous aura plu. Le 27 octobre, je serai sur la chaîne de Gotaga avec plein de très très belles personnes. Merci encore à PlayStation FR et Call of Duty FR de m'avoir autant régalé. Je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt, c'était chaud.